Ok, c'est le début de ce vlog. On est parti hier et on n'a pas filmé depuis hier. Du coup, on commence maintenant, aujourd'hui. Nous sommes le 1er février 2023. Et nous sommes partis hier en transatlantique. Un mot à ajouter? Turbulent. And off. Qu'est-ce que ça fait de partir en transatlantique? Moi, ça a l'air d'aller, hein. On a des belles vagues déjà. Et un vent assez soutenu. Sud-sud-ouest. Sud-sud-ouest, pas du tout. On a deux riz dans la GV, le Genoa tamponné derrière. Et on avance à 6,5 de moyenne. Ça fait 48 heures qu'on est parti. Voilà, le chat va bien. Moi, je peux dire que ça y est, je suis à mariner. J'ai fait mon petit vomi hier et là, ça va mieux. Depuis qu'on est parti, on a fait 260 000. Donc à peu près une vitesse moyenne de 5 nœuds 5. Donc pour l'instant, on avance bien, on est content. C'est-à-dire qu'on va réussir peut-être à arriver au carnaval à temps. Bonjour Ando. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Je veux du poisson. Donne-moi du poisson. Et Randolph, il est comme un fou. Moi j'avais remis la canne à l'eau parce que le premier était pas très gros. Genre 5 minutes après, j'en repêche un, pas très gros non plus, mais maintenant ça fait deux pas très gros. Donc ça fait le repas. Youhou! Tu prépares quoi, Samuel? Des légumes. Oh. On fait une marinade avec les poissons pêchés ce matin. Voilà, on va se régaler. Les internautes veulent voir. Je sais pas qu'il y a du 31, 32. Genre, on a fait plein. 33. Regardez ce que c'est que d'avoir un petit chat sur un bateau. Randolph. Toi, t'es en quart de nuit. Et lui, il est posé sur tes genoux. Ça fait une petite bouillotte. En cette belle journée de novembre, on a passé la journée sur un atelier de noix de coco. On a d'abord ouvert une noix de coco. Après, on a un peu débattu pour savoir ce qu'on allait faire de la noix de coco. On ne sait toujours pas ce qu'on va en faire. Mais en attendant, on a utilisé les coquilles de noix de coco pour faire des bols et des petits pots de fleurs. Un bol. Waouh. Un pot de fleurs. Avec une inscription. Ah, une gravée. Destin. Pendant ce temps-là, Simon s'appelle à nous pêcher le repas. Ça vient encore. Il a mal à la canne. Moi j'ai un truc entre les jambes. Allez, vite, vite, vite. Il va se détacher. Allez, Simon, allez, allez, on pédale, on pédale, on pédale, on perd pas le rythme. Là, t'avais une super cadence, tu perds pas. Allez, on continue, on continue. On veut un gros plan sur le poisson à la fin de la séquence. Montre-moi l'effort là, je veux voir l'effort. Putain, il est vraiment énorme. Il est vraiment gigantesque par contre. Allez, 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 allez. Oh non. Où va? Ça va passer. Oh non. La vague. Oh non. Oh non. Oh non. Comment on coupe? Oh non. La déception. J'étais prête avec le croc. La déception. La déception. La déception. Putain, là, vous avez vu la houle? Ouais, elle était énorme. C'est la houle qui a cassé le fil, là. Ah, mais la houle, il a pas cassé, regarde, t'as tout même son qui est là. Moi, j'ai pas eu me faire hameçonner de fou, là. Comment on éteint la caméra? Ça fait 21 et 700 000. Merde, attends. On a fait le tiers. On a fait le tiers du voyage. Ouais.
comment te dire. La suite, Samuel. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mon père, depuis longtemps. Fils du commissaire. Oh, le sens de la justice, il sera commissaire, oui monsieur, la police. C'est pas ça le début. Là vraiment, vous voyez pas les vagues, vous voyez juste la lune et son spectre, ce qui déjà est très stylé. Mais les vagues sont énormes. C'est terrifiant. Ça dit quoi, Simon, la vie? Là, hein. Je dis là. Hein. Là, hein. Là. Ça fait quoi? Ça fait 2 jours, il y a ce vent et ces vagues. Il y a 25 nœuds. Et des grosses vagues jusqu'à 4 mètres. Faites à creux. Et ça surfe, on a fait une pointe à 13 nœuds 4 cette nuit. Et c'est rapide pour un bateau. Quoi d'autre que faire un brunch sous 25 nœuds? Oui, Stéphanie. Oh, Stéphanie. Stéphanie. Ah, Stéphanie. Aïe. Avec des grosses vagues derrière. Samuel, tu veux contracter tes muscles? Ah, pas grave. Voilà, on s'est dit que c'était le moment idéal. C'est un peu laborieux. Top. C'est bon, ça filme. Alors, nous sommes ici en compagnie de Alice. Bonjour. Simon. Et moi-même, Samuel. C'est un événement très important. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus longuement de cet événement important? Ben, on a pris une douche. Oui. On est propre. Ah, attention. On a pris une douche. On a cassé le 6e hameçon. Voilà. Ouais. Donc, on fête ce cassage. Non, en fait, ce qu'on fête, c'est la demi-transatlantique. Du coup, on a préparé des super choses telles que un petit punch, de la nourriture et de la bonne humeur. Oui. Alice, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as un bouchon en plein? C'est la règle du petit bouchon, comme Samuel vient de nous l'expliquer. Regardez, on est à 999,9 depuis notre place de ponton à Mindelo. Donc on peut dire que c'est à peu près la mi-transat, vu qu'il y a 2100 000. Oh, c'est bon. 1000. Vas-y, enchaîne. Vite, tant qu'on est dans le 1000e. Ah non, vas-y, à moi. J'ai graillé les petits bouchons. C'est pas bon. C'est bon, on l'a fait. On l'a fait, la moitié de la transatlantique. Il en reste exactement la même distance. 1100 000. Okay. Tobago. Nous voilà. Et là. Du soleil avec Ando. Et si moi je me vole mon instant de char pour manger mon petit déjeuner. Oh, voilà, et en même temps, c'est le... Exactement. Faire quelque chose de très inhabituel, vraiment très inhabituel. On va faire une manœuvre. Ouhou, attention, qu'est-ce qui est en train de se passer? Simon défait les tours du winch pour empanner le génois, car on est en fausse panne, le vent a tourné. C'est un grand événement dans cette transatlantique. Une manœuvre sera effectuée. Comme vous pouvez l'observer autour de nous, un grain est en train de passer par-dessus le bateau. Les nuages sont très noirs, bien plus que d'habitude. Ça y est, la manœuvre. Ouais, c'est pas facile. On a gagné la manœuvre et enfin fini. Réussi. Simon est épuisé, il transpire à grosses gouttes. Et il Samuel, a il a participé. Une grosse goutte aussi, là, précisément là. Oui, bon, ça va. Elle est énorme. Elle est pas prête. Le génois a changé de côté, c'est magnifique. C'est beau, c'est beau. On est complètement perdu. Comment mais tu sens? On va dans quelle direction? Je comprends pas. On rentre à Mindelo. Toujours à l'envers. C'est ça la blague. Je
J'étais en train de dormir tranquillement, je me réveille, ici voici mon lit. Et Alice me propose par magie de me faire mon petit déjeuner. Du coup Alice commence à faire le petit déjeuner. Et bah, du coup je vais vous montrer le petit déjeuner, il a l'air trop bon. Voilà le petit déjeuner. Un congrès. Il y a eu une vague énorme. Oui. Qui nous a submergés. Elle a cassé quoi la vague énorme? Elle a rien, elle a cassé sur le bateau, on était totalement protégés. Et je sais pas, j'ai paniqué et j'ai fait voler le petit. Petit plan sur le petit déjeuner. Bonjour. On est au 9e jour de navigation de cette transatlantique. Et cette 9e journée est une belle journée. Regardez comment il fait beau. Le ciel est bleu, la mer est bleue. Le soleil tape, le bateau glisse. Ouh. Voilà, et il nous reste 866 000, je crois, précisément, à parcourir jusqu'à Tobago. Donc bah, on avance et on se porte toujours très bien. C'est plutôt cool. Ciao. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Une sieste. Non. J'ai découpé un truc de genre. C'est la fin du nerf. C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai enlevé plein de nerfs. C'est la fin des nerfs de Stéphanie, mais c'est surtout... Stéphanie est morte aujourd'hui. Deuxième tir. Non, le sur sa coco. On off sur ses genoux. Enfin, sur les genoux d'Alice. Alice, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pêché plein de poissons en 10 minutes. Qu'est-ce qu'on a pêché? Samuel, qu'est-ce que c'est que ce poisson? Une truie de rivière. Une truie de rivière. Et un barracuda. Il nous reste 360 000 pour en arriver à Tobago. On n'a jamais été aussi proche. C'est le début de la quoi? Pandore, t'as quelque chose à dire? Préventif avant d'arriver demain matin à Tobago, la ligne a mordu, donc c'est un peu le timing idéal.
tient au courant de l'avancée de la quête. Voilà. Ouais, du coup, suite des épisodes. On a. Oh, c'est horrible. On a le ton de la fin de Transat. Est-ce qu'on peut le présenter? Il est gigantesque, il est mort aussi. Vas-y, vas-y. Oh non, on a nettoyé le bateau. Parce que moi, j'ai du sang sur la tête. C'est bon, on a le repas de ce soir. Chut. Et de demain. Et de demain et de après-demain. C'est une belle bête, belle prise. Ce soir, dernier soir avant l'arrivée de la transatlantique, on a mis les petits plats dans les grands. Plein de choses à manger, du houmous, le thon fraîchement pêché, un ceviche, une tarte à l'abricot, des frites de patates douces. Ça va être fou! Dernière aube de la traversée et au moment où la lumière s'intensifie, Tobago se dessine devant nous. Nous allons au port juste là. On a réduit la taille de la voile toute la nuit. Donc là on a vraiment un tout petit bout de génois. On avance à 3 nœuds pour pouvoir arriver justement à l'aube dans ce nouveau port. Yop, à 3000 maintenant d'arrivée. Le temps que le soleil pointe la nez et que les autres se lèvent. Et ensuite, on est arrivé. On arrive. Tchou. Tobago. Alors comme une bonne nouvelle n'arrive pas seule, on a démarré le moteur juste pour faire la manœuvre de port et on a eu plein d'eau dans le bateau. Je sais pas si tu vois qu'il y a de l'eau mais... C'est mouillé. Et voilà, on a mis l'ancre, on est arrivé et on est content. Fin de vlog. C'est une fin de vlog officielle, nous sommes à Tobago. Check. On a gagné. Ça claque dans les oreilles. Est-ce que je peux faire le bruitage quand je le fais? Attends.